thoughts going into the 500 final? And when you check what day it's going to be on your birthday, did you feel that the stars were aligned there? Vous étiez classé 4e ou 5e dans le monde juste avant la course. J'aimerais savoir quelles étaient vos réflexions juste avant la course. Est-ce que vous pensiez que ça n'avait rien à faire sur vous? Et puis ensuite, aujourd'hui c'est le jour de votre anniversaire, donc est-ce que vous sentiez une pression supplémentaire à cause de cela? En fait, je m'étais faite une ligne du temps pour mes objectifs. Un top 8 c'était réaliste, un top 4 c'était ambitieux, un top 3 c'était un rêve. Je savais que tout ça c'était possible, mais en hors-piste, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est tellement imprévisible. Puis en fait, mon objectif aussi, c'était vraiment de patiner au-delà de mes capacités, de vraiment qu'il n'y ait rien qui m'arrête pour vraiment patiner comme je suis capable de faire, puis qu'il ne m'arrive rien dans mes courses. C'est ce qui s'est passé, aujourd'hui. J'ai fait des super de belles courses, puis je me suis rendue le plus loin que je pouvais rendre. Before the race, I had of it three objectives. I wanted to maybe do the top 8, it was quite feasible. Top 4 was quite ambitious. The top 3 would be quite a dream for me. But in the race, you never know. So I did push myself to the limit and went as far and as fast as I could. Every race was fine. It worked out just well. And I went as far as possible and I'm very happy. Thank you. Une dernière question.